Salut tout le monde, mon nom est Jack Banzasinga et bienvenue sur Jack Band Studio. Le centre de contrôle est une palette d'accès rapide rassemblant plusieurs paramètres et raccourcis utiles aussi bien pratiques. Sa palette est constituée de deux sections. La section standard qui contient les commandes normalisées et la section personnalisée qui contient les commandes individualisées. Avec le centre de contrôle, vous pouvez très rapidement activer ou désactiver le mode avion, le Wi-Fi, les Bluetooth, ainsi que AirDrop. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la rotation de l'écran. Le mode ne pas déranger. Vous pouvez aussi augmenter ou réduire la luminosité, augmenter ou réduire le volume du son. Vous pouvez également écouter de la musique. Pour afficher le centre de contrôle, faites un balayage du coin haut droit de l'écran vers le bas. Pour le masquer, faites un balayage du bas vers le haut. Vous pouvez aussi accéder au centre de contrôle même lorsque l'écran est verrouillé. Lorsqu'une application est ouverte, il est toujours possible d'accéder au centre de contrôle en faisant un balayage du coin haut vers le bas de l'écran. S'il vous est impossible d'afficher celui-ci, veuillez vous diriger dans Réglages, Centre de contrôle. Ensuite, touchez le bouton blanc qui se trouve à droite dans la bande « Accès à partir des apps ». Pour ajouter une commande, veuillez procéder comme suit. Touchez « Réglages » pour afficher le menu des paramètres de votre iPad. Touchez « Centre de contrôle ». Ensuite, touchez « Personnaliser les commandes ». Dans la section « Commandes invisibles », touchez le bouton vert qui se trouve à côté de la commande que vous souhaitez ajouter. Comme vous pouvez le constater, la commande est automatiquement ajoutée dans la section « Des commandes visibles ». Pour visualiser la commande, affichez le centre de contrôle en faisant un balayage du coin haut droit de l'écran vers le bas. Pour supprimer une commande du centre de contrôle, veuillez toucher le bouton rouge qui se trouve à côté de la commande que vous voulez supprimer. Puis, touchez « Supprimer ». Pour réorganiser la section personnalisée du centre de contrôle, veuillez toucher « Réglages ». Touchez « Centre de contrôle ». Ensuite, touchez « Personnaliser les commandes ». Dans la section des commandes visibles, veuillez toucher les trois traits qui se trouvent à droite de la bande de la commande que vous souhaitez déplacer. Bougez la commande vers le haut ou le bas. Pour visualiser le résultat de vos modifications, faites un balayage depuis le coin haut droit de l'écran vers le bas. Et voilà,